Voilà, toi Mbakacha, Negatou Epsegibino, on remplit et on continue. Voilà, l'ambiance qui règne ici, au guichet. L'homme qui avait mis KO les candidats des étrangers sur Top Congo, Jean-Pierre Bemba. Il est là. Sareli Fati, Fati Beton, Fati Beton. L'ambiance qui règne ici au Kijé, la population est là pour communier avec son candidat. Voilà, la population est là. Cause à la Congolais l'Indien, on a donné une leçon de démocratie au monde entier. Voilà, au monde entier. Même les présidents démocrates qu'on croyait, ils veulent avoir les scores de Félix Antoine Tshisekedi. Les scores que son peuple lui a donné pour 5 ans. D'appartenir à ce beau pays, la République démocratique du Congo.
Et le soir, les amis,
Et vous savez que je suis que le deuxième mandat que vous venez de m'accorder sera dédié à plus d'action pour la matérialisation de ce mandat et à l'époser de cette initiative avec comme les conditions de ne jamais trahir le Congo. Aider notre Congo et en personne de ne pas se transformer grâce au travail de chaque Congolais et de chaque Congolais. Je ne ménagerai aucun effort et rien de ce qui est dans mon pouvoir pour plus d'emplois au profit des Congolais et des Congolais, plus de pouvoir d'argent, plus de sécurité pour tous, une économie plus diversifiée et plus compétitive, plus d'accès aux services de base, ainsi que pour des services publics plus efficaces à tous les niveaux et plus proches des enjeux du territoire national. Le contrat de développement rural des 145 territoires va se poursuivre à un rythme beaucoup plus soutenu. Il en est de même de la gratuité de l'enseignement primaire et de la couverture santé universelle, dont le même élan, déjà annoncé, ne saurait être brisé. Nos lieux demain et nouveaux seront dotés de plus d'infrastructures et des projets d'assainissement d'interconnexion au cours du prochain mandat. Avec la poursuite sans désemparer de la mise en œuvre de la loi de programmation militaire dès janvier 2024, et grâce au travail du comité de suivi et d'évaluation des programmes au sein du PNR actuellement, nos forces armées vont davantage monter en puissance et acquérir plus de moyens pour assurer avec plus d'efficacité la défense de l'intégrité de notre territoire. Les très chers compatriotes, peuple souverain de Kinshasa, du Bas-Congo, de l'Équateur, du Haut-Katanga, du Haut-Lomami, du Haut-Koumélé, d'Ituri, du Kassai, du Kassai central, du Kassai oriental, du Congo central, du Bongo, du Kwilu, de la Lomami, du Alama, de Maïsdome, du Manyema. Au cours duquel et à chaque étape, vous m'avez prouvé et à travers moi, à tout le peuple congolais, votre attention à votre nation. J'ai pu ressentir durant toute ma possession le désir ardent d'un pouvoir vivre collectif, nu et impulsé par les mêmes attentes et les mêmes aspirations partout où je suis passé. Je vous exprime ma gratitude. Les mêmes aspirations partout où je suis passé. Je disais donc, je m'exprime ma gratitude ainsi que celle de mon équipe de campagne pour l'accueil chaleureux que vous m'avez éternellement de mon passage dans nos provinces. Je n'ai aucun doute qu'à travers ce qui a été un plébiscite, c'est-à-dire l'expression racine et historique de votre ouvrage, vous avez objectivement témoigner de votre attachement à ma personne et par-dessus tout au projet de société que je porte pour le bien-être collectif ainsi que pour la transformation certaine et progressive de notre pays. Vous avez ainsi démontré que vous êtes conscient de l'immensité des défis qu'il nous faut relever main dans la main. À celles et ceux de nos compatriotes qui n'ont pour une raison ou pour une autre pas porté leur choix sur ma personne. Je tiens autant à les assurer de l'exercice de leur droit le plus légitime qu'à les gratifier de mon respect quant à ceux, tout en rappelant que le chantier du Congo est grand et que du choc des idées jaillira à l'avenir. Réélu président de tous les Congolais, et symbole de l'unité nationale, j'aimerais par ces mots vous rappeler, chers Congolaises et Congolais, qu'indépendamment de nos considérations et visions au
aussi distincte qu'indistincte, le Congo a besoin de la contribution de tous ses filles et de tous ses fils. C'est donc avec les clés d'ouverture que j'exercerai, comme pour le premier mandat qui vient de l'achever, ce second mandat que le peuple vient de me confier. En effet, cette victoire est une victoire pour relever le défi international, notamment le défi de la sécurité, le défi de l'emploi, le défi de la réinvestition de notre pays, le défi de la modernisation de notre administration, bref, le défi de l'accélération de la marche de notre pays vers la gagne et la maximisation de son plus potentiel, sans oublier les défis mondiaux pour lesquels notre pouvoir est attendu. Soyez assurés, avec la République démocratique du Congo, sous mon impulsion, poursuivra son élan de reconquête de la place et du respect émergé dans le monde. La tâche est ardue et nécessite la mobilisation de beaucoup de renommées d'énergie et de ressources. Toutefois, la force de notre détermination et l'espoir du peuple en ce projet sont tels que je suis franchement convaincu, rien ne pourra sauver notre élan. La tâche, vous êtes, vous, peuple congolais, et souverain pays, les principaux artisans et garants, comme pour le président du succès de ce deuxième mandat. Ce mandat sera nouveau et il reviendra donc que vous le protégez et que vous le sécurisiez contre les ennemis de notre développement. Et très chers compatriotes, je ne saurais clore cette adresse sans remercier ma très chère et tendre épouse. Les longs travaillent et venons de sortir notre
Voilà, ce peuple est là, il y a ton père, témoin oculaire, deux mandats. Tout marche. Voilà, regardez la pièce qui règne ici. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Voilà. Chilombo, Pachibeto, Chilombo. De cette journée. Mais la réponse est là. Voilà. L'appropriation du processus par le peuple congolais. Le reste est là. Allons-y, mon frère. Victoire. Voilà. Les témoins qui leur sont là. Merci, Pasteur. Pour le peuple. En tout cas, je te remercie. Bon.
Mazembe. Laissez-moi passer. Pas tout ça, c'est la Mais qui s'en aille pour ça, présent.